Bonsoir à tous, 18h Toupine, nous sommes le 22 février 2018 et c'est parti pour 01 Live Hebdo comme chaque jeudi. De 18h à 18h30, on débriefe ensemble l'actu de la semaine. Jérôme Colombin est en vacances, on retrouvera, il sera à mes côtés la semaine prochaine depuis Barcelone puisque vous le savez, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure à la fin de cette émission. Nous serons au Mobile World Congress. Tiens, justement, ça sera notre premier titre d'actualité pour ce 01 Live Hebdo. Qu'attendre de ce Mobile World Congress, ce grand rendez-vous de la téléphonie mobile Quel smartphone star vont être annoncés. On va en parler tout à l'heure avec Raphaël Grabli. Notre zoom actuel avec Noémie Lefebvre Marek reviendra sur le phénomène Elon Musk. Il a pour ambition de couvrir la planète entière d'Internet grâce à des satellites. Et il a commencé à lancer ses satellites. Il y a quelques minutes à peine. Noémie Lefebvre-Marek nous parlera donc de ce projet fou, SpaceX, encore une fois, avec ses fusées et Elon Musk. Et puis nous irons du côté du labo avec quelque chose d'un petit peu plus terre à terre si je puis me permettre puisque nous parlerons d'aspirateur. David Nogueira sera là et avec lui on découvrira ben cet aspirateur robot, c'est le dernier né de Xiaomi, Xiaomi qui fait plein de trucs euh, du smartphone à la trottinette et même à l'aspirateur robot. Que vaut donc cette nouveauté On verra ça tout à l'heure et puis avec Émeric Siméon on vous fera découvrir peut-être les accessoires PC gaming de demain avec des claviers, des souris, des tapis de souris vraiment mais top high-tech. Merci d'être là, on est en direct, vous pouvez réagir avec le hashtag 0 en live bien sûr, mais aussi sur euh, YouTube avec ce live bien sûr qui vous permet de réagir en direct. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et la question donc, la question 0 en net orange de ce 0 en live pour débuter, eh bien, euh, on va parler d'Elon Musk. Quel est le projet d'Elon Musk qui vous fait le plus rêver C'est vrai qu'il est incroyable ce gars-là. Certains disent que c'est un génie, d'autres disent qu'il est un peu fou. Bah, vous savez, souvent les génies sont fous. Hein. Mais quel est le projet d'Elon Musk qui vous fait rêver La voiture électrique, la conquête de Mars L'Internet par satellite, justement, ce dont on va parler tout à l'heure avec Nomi, ou bien Hyperloop, vous savez, ce moyen de transport, de transport terrestre qui nous permet de relier, je crois, en 30 minutes Los Angeles à San Francisco, enfin, c'est des, des, des trucs incroyables. N'hésitez pas à voter sur 01nettv.com. Et on commence, bien sûr, avec le Mobile World Congress. Ça commence dans quelques jours. Et Raphaël Grabier est là pour nous en parler. Il sera avec nous à Barcelone. Salut, salut Raph. Salut François. De la rédaction de 01net.com. Le Mobile World Congress n'a pas encore commencé, que, évidemment, on suppute, on imagine les nouveautés qui vont être présentées. Est-ce qu'on peut s'attendre à un bon cru, tiens Allez, on va dire... Oui et non. <laughs> aïe, 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 je n'aime pas non, quand tu dis mais ça. on va, ne on va pas <laughs> dire aux gens de ne pas s'intéresser. Parce qu'évidemment, ça va être très intéressant. Euh, mais disons que cette année, il y aura vraiment une superstar au-dessus des autres. Et disons qu'il n'y a pas trop de suspense avec Samsung. Euh, dimanche soir, Samsung va présenter le Galaxy S9. Hein, dimanche soir à 18h à Barcelone. Donc, parce qu'en fait, le Mobile World Congress, officiellement, c'est lundi. En fait, toutes les conférences les plus importantes, entre guillemets, se feront le dimanche. Bon, ça va être la superstar, ça va être le rival de l'iPhone 10, ça va être le smartphone euh, qui finalement, contrairement à l'iPhone 10 d'ailleurs, ne va pas tellement se réinventer. C'est-à-dire en gros un smartphone qui va ressembler énormément euh, à son prédécesseur, le Galaxy S8. On sait déjà pas mal de choses Alors, concernant on... ce Galaxy S9 ou pas On sait tout. On sait, on sait, on sait tout. <laughs> bah, voilà. Presque. Non, mais ce sera quand même intéressant parce qu'après on pourra le prendre en main, etc. Voilà. Mais là, disons que les photos qu'on a derrière toi, euh, François... On va dire aller à 99,9%. On pense que c'est les bonnes. C'est-à-dire qu'en gros, il va ressembler esthétiquement beaucoup au S8. Mmh. Alors le, le seul détail qui va changer, c'est le capteur d'empreinte à l'arrière, qui était euh, sur, sur le S8, à côté du capteur photo. Oui, qui, là, il va... Et d'ailleurs, c'était ça, ça crée la polémique, ça a créé... Oui, parce donc que c'est pas très pratique. On mettait le doigt sur on le capteur sur photo. photo voilà, enfin, bon, exactement. Bref, voilà. pas très pratique. Ouais. Donc là, ils vont le mettre. En dessous, oui. euh, et l'autre info quand même, et alors là, Samsung a commencé d'ailleurs à teaser, entre guillemets, sur le sujet, c'est la photo. En gros, ce S9, ça devrait être vraiment le roi de la photo, parce que si vous suivez un petit peu ce qu'on fait sur 01net et les tests qu'on fait, et notamment de mon cher confrère Adrien Branco, il a euh, testé tous les meilleurs smartphones en photo. Le S8 arrive premier. Donc le S9, en gros, ce que dit Samsung... En teasing, ils mettent la caméra réinventée. Donc là, ça veut dire qu'on peut s'attendre encore à du plus lourd. Donc, ça va être a priori euh, une, un diaphragme qui peut s'ouvrir, c'est-à-dire en fait à 1.5, ce qui est quand même assez énorme en ça basse lumière. Ce serait une première, je crois. Ce hein, serait une premier. Donc, ça, ça veut dire des super photos mmh. en basse lumière et aussi qui peut se refermer à 2.4 pour justement, quand on est en extérieur, en plein soleil, filtrer un petit peu mieux. Et gagner alors, en piqué. Et gagner en piqué, exactement. Et ça, sur les smartphones, c'est encore euh, inédit donc ce serait vraiment, on va dire, l'atout euh, de ce S9. Et il y aurait autre chose, c'est le, le second module caméra, euh, là-dessus qu'on connaît très bien puisque celui du, ce serait en fait celui du Note 8, hein, avec un mode portrait a priori, mm -hmm. euh, mais qui serait que pour le S9 euh, c'est-à-dire en gros Samsung cela jouerait un peu à la Apple en gros, hein, c'est-à-dire faire un smartphone avec un seul capteur et un autre forcément oui. plus grand et le... un peu plus cher et avec garder, deux capteurs. Garder en fait le top du top de la technologie pour le grand modèle. Pour le grand modèle. Alors personnellement, moi ce que je trouverais très dommage parce que que ça coûte un peu plus cher, moi je trouve ça très normal, mais il y a aussi le fait de vouloir tout simplement un smartphone compact. Euh, donc ça pourra aussi irriter, ça, arrive, ça avait irrité pas mal de gens, mmh. je pense, pour l'iPhone. Et Samsung prend la même... Bon, après, il y a peut-être des contraintes techniques aussi, hein. c'est peut-être plus facile d'en mettre un second. Mais voilà. Donc en gros, euh, le S9, ça pourrait être probablement un S8. Euh, entre guillemets plus une caméra, euh, une qualité photo euh, peut-être inégalée. Ça va être le premier euh, grand smartphone de l'année 2018 en tout cas. Ah, oui. Clairement, c'est le smartphone qui lance vraiment Et qui va un peu donner le là, parce que on sait que ça, ça sera l'un forcément des best-sellers, sauf gros accidents industriels. A priori, mais, mais, ça, voilà. Samsung prend à mon avis pas beaucoup de risques. Mais c'est vrai qu'on n'a pas la révolution de l'iPhone 10. on sait qu'Apple a surpris un peu tout le monde oui. avec cet iPhone 10 hein, qui était en rupture par rapport voilà. là, au là, précédent y a pas cette rupture. là c'est vraiment un, un S8 euh, S, boosté quoi entre, S, entre guillemets si c'était Apple qui l'avait fait bon, oui. maintenant il change de numéro même quand ils changent pas les smartphones hein, mais, parce que le 8 ressemble quand même beaucoup au 7 bon, voilà. mais en même temps est-ce que c'est grave j'ai envie de dire pas tellement parce que si Samsung sort un S9 qui ressemble au S8 mais un peu amélioré, on ne peut pas tous les ans tout refaire. Euh, ils ont fait quand même un design assez magnifique, mmh. donc on, je pense qu'on ne leur reprochera pas de s'inspirer du, euh, voilà, du, du, S8. Donc la grosse star, euh, ouais. voilà, avec qui le va nouveau, tout écraser, euh... avec le nouveau processeur, avec ouais. tout. Euh, voilà, le... Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres nouveautés annoncées par Samsung Alors par Samsung, parce que bon, il y aura, y aura le Galaxy S9. mais Est-ce qu'on peut imaginer le S9 Plus, une nouvelle montre euh, alors un les masques de alors, réalité virtuelle voilà, et un les truc montres, comme ça. à mon avis, c'est mort de chez mort. C'est mort de chez mort. Euh, surtout, on n'aura pas un produit bonus à ton avis Je ne pense pas. Pour moi, ouais. les montres cette année, euh, c'est-à-dire déjà l'année dernière, c'était quand même pas terrible. Donc là, on va vraiment s'attendre à du smartphone, du smartphone à fond. Il euh, n'y aura pas tout ce qui est monde connecté qu'on avait pu. Masque avoir. De, masque VR. Alors masque VR, vrai y aura que tu HTC. sais qu'à chaque fois, à chaque, à chaque euh, impact de Samsung, on avait un nouveau euh, oui, Galaxy S et, et un nouveau masque y, ouais. qui était présenté. Il y avait alors, toujours des corners VR. Est-ce lâche à faire sur la vr ou est ce qu'ils tiennent toujours le coup on verra hein. Pe peut-être qu'il y aura des accessoires il euh, y aura un nouveau a priori il y aura un nouveau dex on a eu beaucoup d'images qui mmh. ont futé, donc le fameux accessoire oui. pour brancher le qui le... permet de transformer son smartphone en pc voilà alors, alors sur le s8 on n'avait pas été très convaincu peut-être que ce sera mmh. mieux sur le s9 euh... Peut-être un nouveau masque, mais ne... voilà, après, les masques de Samsung, ça reste quand même des boîtes en plastique, euh, on ne va pas non plus euh, attendre énormément de ça. Alors dites-nous ce que vous en pensez de ce Galaxy S9. Alors bon, on l'a pas encore vu, vraiment. Non, mais, mais bon, on va dire que c'est un peu comme, quoi. Y a, y a, voilà, il y a pas mais mal a pas, de fuites. Est-ce que vous fait rêver Est-ce que vous avez envie de l'acheter J'ai vu, tiens, un... un... Un témoignage tout à l'heure d'un internaute qui nous suit sur YouTube et qui nous dit euh, ça permettra au S8 de baisser de prix. Voilà, mais c'est un peu ce que j'allais <laughs> dire. Comme finalement la bonne affaire de, pour Apple, c'est peut-être l'iPhone 7 qui a baissé de prix, qui est excellent. Et ben, le, le, effectivement, le S8 va ouais. baisser et on trouvera peut-être un S8 à 500 euros assez facilement. Donc, euh, ce serait vraiment une bonne nouvelle pour eux encore. Accumuler les ventes de, de S8. Bon, Donc, alors ça c'est Samsung S9, ça c'est bon, Ça va être vraiment le gros morceau de ce Mobile World Congress. Mais ensuite, il y, les y, aura des, il y aura. Je pense qu'ailleurs, en fait, on va picorer. Mais ouais, Picory, il y aura peut-être des choses intéressantes. Euh, on attend Sony, par exemple. Sony qui devrait présenter des nouveaux smartphones haut de gamme mm -hmm. avec le XZ2. Et alors, on attend, donc évidemment, là aussi. Alors, peut-être le premier Snapdragon 845 en France. Le processeur euh, extrêmement puissant, alors qu'on va retrouver sur le S9 aux États-Unis. Oui, Et parce en que, France, ce sera France... l'Exynos 9810. Donc, qui est très puissant. C'est un mais... processeur Samsung, maison. Hein, voilà, Samsung. maison, entre guillemets. Euh, donc, peut-être euh, le premier 845 chez Sony. Et on espère. Alors là, tout ça, ce qu'on voit à l'écran, ce sont des, ce qu'on appelle des concepts. Hein, c'est pas des images. Voilà. Que, alors que Samsung, c'était des images officielles qui avaient fuité. Là, c'est plutôt des concepts. D'accord. On espère, on espère. franchement que Sony va enfin nous offrir un smartphone 18 e ème borderless, etc. Parce que là, euh, il serait quand même vraiment, vraiment très à la traîne de pas le faire. Donc, du nouveau peut-être chez Sony. Euh, et euh, on espère aussi avec une vraie bonne qualité d'image en photo. On parle d'écran 4K, euh, 4K aussi. Voilà, hein, alors sur ce ne serait euh... pas la première fois non. chez Sony, j'aime bien faire ça. Non, bien sûr. Mais vraiment ce qu'on -ce attend, c'est les rois de la 4K dans la télé. Voilà, Est-ce que ça a un sens d'apporter de la 4K sur un oui, mobile Oui, mais c'est aussi les rois techniquement des capteurs photo puisqu'ils oui. vendent leurs capteurs photo à tous les quasiment tous les grands euh, fabricants de smartphones et leur propre smartphone avec les capteurs Sony n'arrive pas à être très très, très bon en est photo. Est-ce qu'il un écran 18 9ème C'est ce qu'on nous demande sur Mais le justement, YouTube alors ça c'est vraiment on espère, enfin on espère, c'est probable. Que Samsung, que Samsung, que Sony s'y mette, euh, si s'y mettent pas maintenant, s'ils restent encore sur leur, euh, parce que ils ont, ils, ils, le design de Sony n'évolue quand même pas mm -hmm. beaucoup depuis plusieurs années. Qui, qui, qui fait quand même réagir hein, le design de Sony. Il y en a qui aiment beaucoup, voilà. il y en a qui aiment pas. Il y a Maxence qui dit moi j'aime pas, je trouve ça très moche. Moi je trouve qu'il y a bon, en tout cas il y a ouais. une dans, dans ce, cet océan de smartphones Android, au moins on voit un Xperia, bah, on ouais. sait tout de suite que c'est Sony. Alors quoi. ce côté très anguleux en fait, moi personnellement j'adore, je trouve ça très joli. Mais Maintenant, il faut que Sony garde peut-être son, son, son âme entre guillemets en ouais. termes de design, mais en s'adaptant technologiquement, c'est-à-dire garder peut-être ces côtés très angulés, anguleux qui est vraiment joli, mais avec un écran beaucoup plus bord à bord, ouais. euh, plus allongé, etc. Et puis Donc, toujours le capteur d'empreinte sur le côté, ça c'est plutôt une bonne idée. Oui, j'espère euh, qu'ils vont garder ça. Ça, ça aussi. pourrait être pas mal. Hein Effectivement, ça c'est une marque de fabrique de, de, de Sony, ça fonctionne plutôt bien. Et puis en plus, ça résout le problème du capteur d'empreinte qu'ont eu tous les autres quand ils ont étendu mmh. l'écran ils l'ont mis à l'arrière. Finalement pour Sony, ça ne change pas grand-chose puisque de toute façon il est sur le côté. Donc effectivement. Après, il y a d'autres modèles aussi euh, qui peuvent être assez attendus. Bon, il y a LG qui va être très discret cette année. Euh, C'est assez compliqué présenter... pour LG. Hein, C'est assez compliqué. Hein. Ils vont quand même a priori présenter une version, euh, nouvelle version du V30 avec excellent un peu... téléphone, hein. excellent téléphone. Excellent téléphone qui a arrivé. Hein, tu l'as testé. Enfin, testé, l'a testé. Euh... C'est un de mes téléphones Android euh, favoris ouais. si ce n'est qu'il est arrivé trop tard. Il arrivait en fin d'année en France euh, avec une configuration qui concurrençait plutôt les produits de début 2017. Euh, donc là, a priori, il n'y aura pas de Snapdragon 845. On va rester sur une architecture, sur un processeur de l'an dernier, mais avec du stockage, plus de stockage. Donc vraiment, euh, le seul coup, j'ai envie de dire, pour FLG, c'est de nous sortir un V30S euh, un peu moins cher, voilà, un, un peu plus abordable pour euh, s'adapter à un peu ce retard. Tu vois, mais il y a des gens qui aiment bien Abdelah par exemple, sur YouTube, nous dit, perso, moi j'adore les LG, je préfère les LG. C'est vrai que c'est des beaux téléphones. Non, mais les LG, euh... ce sont des magnifiques produits qui ne se vendent pas beaucoup. C'est ça qui, qui, qui est... Euh, quand on prend un V30, mmh. même le G6, hein, mais quand on prend un LG V30 en main, c'est un magnifique appareil qui est excellent en photo, qui a un écran magnifique. Euh, voilà. Donc le V30s, on aimerait simplement qu'il soit plus abordable mmh. que les autres parce que c'est un smartphone avec un, un processeur de l'an dernier. Donc il va falloir qu'LG accuse le coup entre guillemets et nous fasse un smartphone peut-être un peu moins cher. Et euh, alors on a parlé Galaxy S9, alors, Samsung, Sony, Sony, LG. Il y a Asus qui va présenter. Pas mal de smartphones oui. à mon avis. Pareil, un haut de gamme, le Zenfone 5 a priori. Là aussi, un processeur assez puissant. Alors, on voit derrière, euh, c'est euh, là aussi des concepts. Il pourrait avoir une petite encoche comme l'iPhone 10. Voilà, pourquoi Parce que pas. Là, franchement, de loin, tu as l'impression de voir l'iPhone 10. Oui, alors même. on n'est pas habitué à ça de la part de Asus, mais bon, Asus fait quand même aussi des bons produits. Euh, alors, ils ont, comme d'habitude, ils ont une gamme très très étendue. Donc, je pense que cette année, ils auront aussi beaucoup de, de mobiles. Est-ce qu'on peut s'attendre à, à la reconnaissance faciale qui a été alors, elle n'a pas été initiée par Apple parce qu'il y avait d'autres smartphones oui, qui faisaient avant. avant ouais. Mais on va dire que elle est arrivée à maturité avec l'iPhone 10. Est-ce que les constructeurs euh, prennent le, ouais. le train en route Alors, je pense que oui. Euh, en fait, par exemple, OnePlus l'a fait très rapidement après mmh. en s'adaptant sur la technologie Google. Parce que Google a une technologie de reconnaissance faciale que les fabricants mmh. peuvent reprendre. Qui n'a rien à voir avec celle d'Apple. Non, qui n'a rien à voir. C'est juste de la reconnaissance faciale. Il n'y a pas de scanner 3D, etc. Donc, en fait, ça peut fonctionner euh, pour euh, déverrouiller son smartphone. Donc, en ce sens-là, je pense que plusieurs fabricants vont jouer avec ça et vont le proposer. Par contre, par contre on n'aura absolument pas le niveau de sécurité d'Apple. Ça va être moins sécurisé, ça va être des technologies qu'on pourra peut-être un peu flouer avec des photos ou des choses comme ça. Donc bien au quotidien, mais certainement pas pour du paiement ou pour des mmh. choses comme ça. Donc pas, de, à mon avis, pas de concurrent vraiment de face ID euh, pour le Mobile World Congress. Très bien. Et, Et puis euh, euh, on part de Honor. On nous demande est-ce qu'il y aura des nouveautés Honor qui Non, vont alors Honor ils sont un petit peu, euh, ils sont toujours un peu en, ils, en décalage. Oui, hein, parce que Honor finalement leur... ça sera le cas. de Huawei aussi qui sera le grand absent. oui, ouais, ouais. ouais Parler, mais euh, ils, seront, ils seront absents ouais. parce que finalement, les, les deux grands absents de ce moment-là au congrès, donc il y aura Huawei euh, qui va présenter le P20, euh, a priori, à Paris le 27 mars. Euh, donc ouais. là donc, donc, l'événement mondial, mondial de sera, à Paris, sera à Paris, au Grand Palais, au Grand Palais. Hein. Voilà. Euh, LG, donc on parlait du V30S, mais pour attendre une vraie nouveauté LG, donc le G7, où on ne sait pas comment il va s'appeler. On va attendre a priori cet été, euh, parce qu'Alger a voulu euh, voilà, repartir de zéro. Euh, apparemment, les dirigeants d'Alger n'étaient pas contents de ce que les équipes avaient produit. Et donc, ils sont repartis de zéro pour refaire un LG, euh, donc pour cet été. Euh, mais on aura aussi, entre guillemets, d'autres fabricants. Moi, je pense à Alcatel, par exemple. Ah. Alcatel, qui, a, euh, qui est une filiale de TCL. Or, TCL fabrique des écrans euh, en quantité absolument monstrueuse. Et Alcatel a déjà communiqué, en fait, sur ses smartphones. Alors, ils n'ont pas détaillé du tout hein, les fiches techniques, etc. Mais on sait qu'Alcatel va sortir des smartphones au format 18 e entre, les 150 et 250 euros a priori. Donc, ça veut dire, attention, Alcatel, parce qu'on rappelle quand même le prix moyen d'un smartphone en France, c'est 200 euros. Donc là, on parle de smartphones qui peuvent se vendre vraiment en d'énormes quantités. Donc, Alcatel a surveillé de très près. Avec leur gamme 5, euh, 3V, euh, X, etc. Et ça va être aussi l'avènement chez Wico aussi de l'arrivée voilà, de, de, des 18-9e voilà. et des téléphones avec euh, donc... Assez bordless pour les oui. prix aussi défiant toute concurrence. Ah oui, oui. Voilà, ça va être très accessible. Mais en fait, si on veut résumer aussi ce mobile congrès, ça va être l'avènement du 18e. Bien sûr. Et et la celui... démocratisation de ces téléphones qui étaient alors, réservés quand même à du haut de gamme Exactement, au départ. et c'est même plus que la démocratisation. Je pense qu'on verra peut-être pas un seul fabricant mmh. présenter un smartphone qui ne sera pas au format 18e. Et si c'est alors si il y aura peut-être des Caterpillars Land Rover, je sais pas si tu as vu, ouais. ils ont présenté des smartphones renforcés, bon, ça c'est très particulier. Euh, mais sinon, pour les trucs vraiment... aller Avec des capteurs techniques. Ouais. Euh, c'est ça, tiens. Voilà, avec des capteurs euh, thermiques, euh, capteurs de qualité de l'air, enfin des trucs très, très particuliers, très spécialisés, on va dire. Voilà. Donc, euh, mais ce sera vraiment, d'une part, l'avènement du 18 19e ça c'est mmh. sûr. Et bien il y, y a Alexandre, juste, te coupe, oui. parce que su, sur YouTube, tu il y a beaucoup de bah, bah, messages qui bah, arrivent. Bien sûr, il y a Alexandre qui nous demande. Et HTC dans l'histoire. HTC, c'est un peu comme LG. C'est un peu compliqué. C'est un même peu hein, compliqué parce que HTC, ils sont fait racheter toute leur partie, euh, une partie de leur division euh, d'ingénieurs par euh, Google. Donc HTC pour fabriquer les pixels, hein. voilà, pour qui, fabriquer... Annoncés, qui ne sont pas annoncés bah bah, ah d'ailleurs, qui ne sont pas on n'aura rien. Des, des rien. Pixel on n'aura rien. pixel c'est en octobre. Ça, maintenant, c'est quasiment aussi sûr qu'Apple. Euh, mmh. Voilà. Euh, le fait qu'Apple c'est en septembre, Google c'est en octobre, c'est maintenant, c'est mis en place comme ça. HTC, à mon avis, non, il n'y mmh. aura y pas, pas grand-chose. Grand il chose. Euh, y aura Nokia qui va présenter euh, mmh. peut-être des smartphones. J'espère qu'on ne parlera pas de 3310 parce que. Euh... On va parler mais de moi choses je crois, sérieuses. Je crois qu'on va en parler parce oui. qu'il y a une version 4G qui va arriver du train, voilà, qui n'aura absolument aucun intérêt, mais voilà, euh, sans voilà. doute. Malheureusement, on va peut-être en parler. <laughs> voilà. J'espère qu'on va parler de choses sérieuses. Euh, voilà. Mais par contre, Nokia qui va présenter quand même des vrais smartphones entre guillemets euh, et qui euh, pourrait être des bons smartphones. Donc ouais. à surveiller pour les choses sérieuses, Nokia qui vont des smartphones. Qui va présenter des smartphones Voilà. Et puis euh, l'un d'entre vous aussi nous demandait sur YouTube si euh, Apple va annoncer son iPhone 10 Plus. Alors, c'est on... pas du style d'Apple d'annoncer quoi que ce soit Barcelone au Mobile World Congress. Apple, on vient chez Apple. Voilà, Apple, on, vient ne, se, on Apple. ne se déplace pas. Voilà. C'est Apple, Apple qui reçoit. Exactement. C'est Apple qui reçoit. C'est comme et ça. Euh, voilà. Et puis après, il y aura des grands thèmes, la 5G, des oui. choses comme ça. Enfin, ouais. Et euh, justement, euh, ce Mobile World Congress, les amis, sera encore à vivre sur 0net.com et 0net TV, puisque Dès lundi, lundi prochain, on sera toute l'équipe à, à Barcelone pour vous proposer lundi et mardi de 13h à 14h avec la rédaction de ZeroNet.com sur le stand d'Orange. Eh bien, une heure de live pour décrypter ce Mobile World Congress, pour interviewer tous les constructeurs qui seront présents sur le plateau, euh, pour voir aussi les tendances. On parlera de 5G euh, notamment et tu seras avec nous, Raphaël. Ah, J'espère qu'on aura le bien sûr. sur le plateau. Le, dès lundi, je ne sais pas, peut-être avec le Galaxy S9, oh. ce serait super. Bah, écoute, il va falloir qu'on qu s'arrange avec Samsung. Ouais, quoi, on va en gentiment. Va voilà. En tout cas, on aura un représentant de Samsung dès lundi, donc entre 13h et 14h, qui nous présentera ce Galaxy S9. Merci beaucoup, Raph. Merci à toi, François. Bon voyage. et ben merci. On, on, se, retrouve bien. Là, on se retrouve là-bas. Et on se retrouve donc à Barcelone. Ce 01 live est loin d'être terminé, les amis. On va aller au, du côté du labo tout à l'heure découvrir un aspirateur robot que David Noguera a testé. Et puis, et puis. Euh, pour tous ceux qui sont fans de PC Gaming, quelques accessoires qu'a sélectionné pour nous. Emric Siméon, à tout de suite pour le Zoom Actu. Et oui, comme chaque jeudi soir, on est en direct sur zeronetv.com, sur YouTube. N'hésitez pas à réagir avec le hashtag zéro1live sur Twitter, mais aussi sur YouTube. Je suis connecté en ce moment sur, euh, avec vous, donc sur le flux YouTube. N'hésitez pas, vous pouvez nous laisser des petits messages. Ça va vite, mais on essaie d'en capter quelques-uns. Et avant d'aller du côté du labo, je suis ravi d'accueillir Noémie Lefebvre-Marek. Salut Noémie Salut François Noémie qui est venu nous parler encore une fois d'un délire, le dernier délire en date d'un mec délirant, mais génial aussi, c'est Elon Musk, avec vous le savez, son SpaceX, hein, sa fusée incroyable qui est en train de concurrencer en fait tous les grands lanceurs mondiaux, NASA, etc., euh, mais aussi Ariane, hein, qui est concurrencée par SpaceX depuis quelque temps. Et donc maintenant, SpaceX, c'est la ruée vers les orbites basse oui alors c'est un petit peu technique mais c'est pour ça que je suis là je vais tout vous expliquer évidemment euh, en fait euh, c'était <laughs> tout à l'heure ça s'est pas passé tout à l'heure en californie à 6h17 heure locale donc c'était tout à l'heure à 15h17 heure de paris peut-être que vous avez pu le, le suivre parce que comme d'habitude euh, c'était retransmis en direct sur youtube Allez, quelques petites images d'ailleurs voilà exactement euh, donc ce qui s'est passé c'est que euh, eh ben c'est cette fusée falcon 9 qui a été euh, qui a été lancée avec à son bord, le satellite espagnol Paz pour lequel SpaceX avait remporté un appel d'offres. Mais SpaceX, c'est là que c'est intéressant, en a profité pour embarquer et mettre en orbite deux autres satellites, alors qu'ils s'appellent Microsat 2A et 2B. Et c'est pour ça, euh, en fait, c'est ça qui retient un peu notre attention. Ouais, il aussi soir. Tintin A et Tintin B, en fait, ces deux, ces deux satellites. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce lancement À quoi ça sert Et bien, en fait, deux semaines après l'énorme le, le, mission Falcon Heavy que vous avez aussi peut-être suivi, suivi eh ben, euh, Elon Musk met à jour un autre, cet autre projet un peu fou dont on entend parler depuis déjà quelques années. Il s'agit euh, de l'Internet par l'espace. Le projet s'appelle Starlink. Euh, Elon Musk veut en fait couvrir la planète entière en haut débit et pour cela créer une constellation de satellites en orbite basse, c'est-à-dire à seulement 1150 km au-dessus de nos têtes. Pour vous donner un repère, les satellites géostationnaires stationnent à 36 000 km. Donc c'est quoi l'intérêt de, de, de l'orbite basse parce Ils parce... sont hauts mais pas si hauts que ça quoi, finalement par rapport aux autres satellites. Ah bah ils sont ils hauts mais beaucoup 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 plus mais bas oui. que les oui. que les, les, les satellites qui qui oui, fournissent la qui... connexion ah. habituellement et en fait l'intérêt c'est que bah, c'est le temps de latence qui passerait de 500 millisecondes à 50 millisecondes l'idée c'est d'offrir une connexion euh, au débit dix fois plus rapide que le débit moyen actuel et euh, c'est 40% plus rapide que la fibre optique, ah oui. donc c'est du très haut débit, à bas prix. Euh, et c'est pas cet objectif-là, il ne se le fixe pas pour dans 30 ans, 50 ans, c'est pour 2024. C'est-à-dire que euh, son idée, c'est d'avoir cette dans constellation... Euh, oui, oui c'est oui, ça. Oui, ça. <laughs> ouais, non, je comprends. Très, très non, mais -moi, moi je suis euh, un peu lente. Voilà. Euh, <laughs> mais donc 2024, avec 12 000 satellites en orbite basse. Euh, et le premier palier, ce serait 2021, donc là on est dans, dans trois ans, avec 4223 autres mmh. euh, petits satellites de ce genre. Donc, c'est un projet énorme, en fait, que, que veut lancer Elon Musk. On, on imagine qu'il y a derrière aussi un enjeu financier important, non bah, c'est énorme. En fait, euh, c'est euh, une opération commerciale d'envergure, puisque, bah, c'est euh, la main mise sur le futur, enfin, c'est le, le réseau Internet du futur. Selon Wall Street Journal, qui, euh, donc, c'est le journal américain, l'entreprise viserait un objectif de 40 millions d'abonnés à ce service en 2025. Ça représente un chiffre euh, annuel de 30 milliards de dollars. C'est conséquent, mais ce qu'il faut, Savoir, c'est que SpaceX n'a pas eu. Euh, ils ne sont pas tout seuls sur le coup. Hein. C'est-à-dire qu'il y en a d'autres qui ont euh, ces ambitions-là. Euh, je vais citer OneWeb, la, la société du milliardaire Greg Weiler, l'ancien de Google, qui euh, envisage aussi de créer une constellation de 900 sat satellites d'ici 2020. On peut citer aussi euh, l'OSAT, Telesat. Donc en quelque sorte, ce n'est pas une guerre des étoiles, mais c'est une guerre des constellations qui est en train de mettre en place Elon Musk et ses concurrents. Voilà, pour, avec l'objectif de couvrir... 100% de la planète. 100% de que vous la planète en trop en plein très désert, haut débit euh, et pour pas cher. Euh, ou en pleine mer et avoir mmh. une connexion qui serait plus rapide que la 4G qu'on ouais. a aujourd'hui dans les grandes villes. Un truc de dingue. Un truc de fou. Ça, on va suivre ça avec euh, grand intérêt. C'est très intéressant. Ouais. Fois. On n'a pas encore le prix de l'abonnement en revanche. Hein. Ah non. Hein <laughs> Mais bon, ils disent <laughs> que ça, ce serait moins cher. Que ce serait, euh... On va voir. Ouais. Merci Noémie. Merci à vous. Le Zoom Actu de Noémie Lefebvre-Marek. Qu'en pensez-vous de cette euh, révolution de l'Internet par le satellite Vous pouvez réagir encore une fois avec le hashtag 01Live ou sur le flux du live de YouTube. On vous salue d'ailleurs si vous êtes avec nous sur YouTube ce soir. 18h24, direction le labo maintenant. Et avant de retrouver le labo, notre question, 01 net orange, si on parlait d'Elon Musk il y a un instant, quel est le projet d'Elon Musk qui vous fait le plus rêver Dites-le nous euh, Vous pouvez faire le choix parmi ces quatre propositions, la voiture électrique, donc Tesla, la conquête de Mars, vous savez que c'est l'un des projets fous hein, de d'Elon Musk, l'internet par satellite, on vient d'en parler, ou bien de l'hyperloop, vous savez ce moyen de transport terrestre par tube, hein, euh, qui permet de, de, de circuler à plus de 1000 km heure je crois, euh, donc qui met, euh, à, voilà, sur le carreau le TGV par exemple. N'hésitez pas, euh, vous pouvez voter zeronet.tv.com. Émeric Siméon, là, salut Émeric. Bonsoir de la rédaction de 0Net.com, tout comme David Noguera qui est là. Salut David Salut, salut François David est venu avec son aspirateur. Alors c'est sûr que c'est un peu plus, je le disais, terre-à-terre terre que les satellites d'Adamasc. Mais ça sert, hein. il faut enlever la, poussière ouais, quand bien même sûr, à la maison. bien sûr, tout à fait. Hein Exactement, il y a des préoccupations de, ah, du importante. quotidien. Voilà. On va en parler dans un instant, mais auparavant, Emiric, tu es venu avec une, une petite série d'accessoires, un peu haut de gamme, pour des gamers furent fortunés. Un sacré attirail, ouais. <laughs> euh, c'est un, un attirail signé Corsair. Donc, euh, ce sont l'ensemble le, des, des périphériques qui ont été annoncés euh, au CES. Donc on les a déjà. Donc ça, c'est plutôt bien. Ça, c'est cool. Euh, Trois mois après, bim Ouais, un mois et demi quoi. pas. Un mois et demi. Voilà, à peu près. Alors, c'est. Donc, l'arsenal est divers et varié. Alors, je suis venu avec pas mal de petites choses rigolotes. Je pense que le plus sympa et finalement le plus techno, c'est le tapis de souris que j'ai là. Alors, me dire, ouais, c'est un tapis de souris. Alors, il y a des câbles. Alors, il n'est pas très flexible, ce tapis de souris. Voilà, il a un petit peu ring C'est une arme aussi. C'est ça, voilà. Ça peut faire aussi planche à découper. Ah oui, voilà. C'est pas mal pour découper les ah, saucissons. C'est ça. À la Alors ouais, trop, moi les légumes je préfère, le mais... Ouais. Ah oui, voilà. mais avec David on se fera du figatel et toi, ouais. tu... Voilà, moi je des les pour... concombres. Voilà ou, ou, ou les tomates. Oui tomates. Voilà donc euh, ça ressemble à ça et la particularité de ce tapis donc c'est qu'il se connecte en USB à son ordinateur. Oui. C'est ce rare pour une planche à découper. Voilà mais même pour un tapis de souris quand même. C'est oui. assez rare de brancher son tapis de souris. Vrai. Alors pourquoi il faut-il le connecter Eh bien tout simplement parce que euh, grâce au, au petit cercle qui est là euh, qu'on voit sur la, la surface et qu'on voit aussi sûrement dans la vie. Vidéo, ah voilà. oui, on le voit Hop. très bien, oui. Voilà, le petit cercle qui est là, en fait, juste en dessous, se trouve un un, un... un système de rechargement sans fil. Le chi. Induction. Voilà. Donc, on peut poser la souris qui va bien, donc euh, qui a le doux nom de euh, Dark Core RGB SE Chi. Ben vous... y Ouais. Ça si fait plaisir, chez Corsair. Pour les sous-titres, euh, voilà. Ouais. Donc, si je la pose là, elle se recharge. Elle se recharge. Wow. Ce qui veut dire que, euh, ben voilà, entre euh, deux sessions de jeu. Euh, le temps d'aller euh, boire un verre d'eau, euh, manger un truc, euh, pour être sûr de ne pas tomber en panne de, de batterie. Je la pose sur le tapis, elle, elle se recharge. Correcte. Ça, ça recharge à une vitesse Alors, j'ai commencé à tester, ça recharge à une vitesse assez correcte. Néanmoins, euh, on ne peut pas dire que ce soit aussi rapide que de l'USB euh, pur et dur. Alors, si vous êtes très pressé, l'avantage de cette souris, c'est que vous pouvez aussi la brancher en filaire et donc recharger la batterie en USB. Mmh. Elle se connecte à l'ordinateur en filaire en 2,4 GHz. Et en Bluetooth, vous avez vraiment le choix des armes. Euh, pas mal de petits boutons. Bon, euh, reproche comme ça, euh, moi je les trouvé un peu plastique, surtout pour une souris à 110 Je trouvais que c'était pas... Bon, enfin, je m'attendais un à peu, un peu mieux, mais néanmoins, ce qui est rigolo, c'est que euh, voilà, le fait de la laisser euh, poser sur le tapis la recharge. Et ce n'est pas la seule chose qu'on peut recharger grâce à ce tapis, puisque Corsair a la très bonne idée de livrer avec le dit tapis. Mais si par exemple je pose un... Euh... Voilà. Un Tout iPhone, fait. par exemple sur le petit rond là et ça bien, marche aussi alors sur le bah s'il est compatible oui il est compatible il est compatible et bien ça ça marchera et s'il ne l'est pas eh bien Corsair livre des embouts un, un, notamment un embout qu'on peut connecter en micro USB à son smartphone compatible ou en USB Type C et même en Lightning voilà, eh ben, et bon donc, tout chez pouf, je mets mon smartphone là-dessus et il rechargera, et pendant ce temps-là, je peux fraguer sans essayer de trop taper dans le oui, smartphone, parce ça. Il risque de pas trop apprécier. Il ne pas apprécié beaucoup. Voilà, alors le tapis coûte 90 euros, il va être disponible là dans les jours qui arrivent, la souris elle coûte 110 euros, il y a une version non chi aussi euh, qui existe. Donc la souris, elle va être disponible. Pareil, là elle arrive. Est là on est à 200 euros, euros mine de rien. Tu nous voilà. as sorti ça comme ça. On, on est à pas 200 trop euros. 200 euros, mais finalement, euh, c'est euh, peu parce qu'il y a des solutions équivalentes qui existent chez Logitech et chez Razer. Et chez Razer, la souris plus le tapis qui viennent de façon euh, inséparable, c'est... Euh, hop, mes notes oui, c'est cher, c'est 280 euros. Oui. Et chez Logitech, le tapis, alors qui lui par contre recharge la souris où qu'on la pose sur le tapis, même quand on joue. Et donc ça, c'est vachement bien. Ça, c'est pas mal. Hein. Voilà, c'est-à-dire je joue, la, la souris la se recharge souris, quand la même. La souris se recharge quand même. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est plutôt bien. Euh, le tapis à lui seul chez Logitech, qui s'appelle PowerPlay, il vaut 129 euros. Et, et il est compatible avec deux mulots, qui sont respectivement vendus 119 et 179 euros. D'accord. Donc c'est quand même assez cher quand même. Voilà. Au niveau, euh, enfin, si, si c'était vraiment un... Un, un fan de jeu, il y a une différence de qualité entre tous ces modèles que tu viens de citer ou pas Alors... Pour être tout à fait honnête, euh, les modèles, le, modèle, euh, Corsair, euh, le modèle Razer pardon, a été lancé au CES et vient ouais. tout juste de commencer sa petite vie en commercialisation. Donc, n'ai mmh. pas encore pu mettre la main dessus. Quant au modèle Logitech, euh, je les avais essayés à l'E3 l'année dernière et en termes de confort, etc. Honnêtement, euh, bon là, il faudrait que je puisse faire un face à face B pour bien me rendre compte si ou non il y a des vraies, vraies euh, différences entre eux, ne serait-ce que ces deux modèles. Voilà, pour l'instant, je ne vais pas me prononcer. Néanmoins, je trouve ça assez sympa de pouvoir euh, se dire que, ben, euh, même si on tombe en panne de batterie, enfin euh, il n'y a plus vraiment de risque finalement de tomber en panne de batterie à condition en cas de corsaire de penser à bien poser la souris là où il faut voilà et le dernier accessoire que je vous ai amené alors il n'y a rien si. de c'est pas une révolution en soi c'est juste très rigolo et il y a d'autres marques qu on en ont déjà fait mais je voulais quand même vous le montrer parce que je pense à tous ceux qui aiment jouer peut-être comme moi dans leur canapé et je pense aussi à Eric le Bourlou qui adore jouer euh, dans son canapé Special au pc pour voilà qu'on retrouvera d'ailleurs demain dans de quoi je me venu Avec cette magnifique, euh, alors là c'est planche ah à oui. découper, euh, mmh. bon enfin voir ce que tu veux, voilà, Thomas. Voilà, Tom va ça. C'est plus une arme là, c'est. Euh... Ah bah là c'est c'est là, hein. cest à, à que ça, là, là, tu... on s'en prend. qu'en voyant tu. Le plateau, mal, je pense le... que ça fait aussi mal que le satellite d'Elon Musk à 110 quand <laughs> tu te le prends sur la tête quoi. C'est un plateau repas là. Voilà. Et donc l'avantage. Tu peux mettre un plateau repas, t'as raison. Ouais c'est ça, mais surtout en fait. Ça part de pizza là sur la droite tu vois. T'es dans ton canapé, tu poses ça sur tes genoux compte pour moi. Amérique. Tu poses ça sur tes genoux, c'est matelassé. Wow. Voilà, on va ah montrer, oui. tu vois, matelassé Donc t'as pas mal sein. Voilà, t'as pas mal, tu peux faire reposer, Et tu poses là. ça sur tes genoux, sur tu le poses canapé ça sur tes genoux, canapé, hop, sans fil, tu joues avec le PC et c'est ah ouais. parti. Non, là et là, là t es t es un chat. Es un pacha du gaming là. Voilà, là t'es bien vautré comme il faut, ouais. euh, mais en même temps ça peut être très confort, il y en a qui aiment. Sachant qu'on peut enlever le clavier. Ah, bien sûr, le clavier, euh, ce, on peut le déclipser. Donc on peut le poser sur un bureau normal. Voilà, c'est un clavier euh, normal et qui n'a pas de touchpad. Enfin, euh, qui n'a pas de pavé euh, numérique. Euh, numérique. Merci David, j'ai peur à mes mots. Euh, le lapboard, parce que c'est son petit nom, il coûte 70 euros. 70 euros. Voilà, sans, vide, le clavier. sans le clavier. Ah ouais. Le clavier coûte 130 euros. Et pour un clavier à 130 euros, je m'attendais à un peu moins de plastique de la part de Corsair. Parce que je sais que Corsair, c'est faire des très très bons claviers en métal. Et je m'attendais à avoir une finition Là, un, un peu, peu plastique. plus ouais C'est un, peu plus un plastique. clavier mécanique, c'est ça Voilà, c'est un clavier mécanique. donc en plus, plus, votre entourage sera ravi c'est à dire que plus vous appuyez comme un bourrin sur les touches plus ça fait du bruit mais les gamers adorent ça ouais. et euh, faut dire qu'effectivement c'est assez euh, c'est assez agréable une fois qu'on s'y est fait de saisir et de jouer avec ça voilà donc là un petit setup quand même a, mine de, de rien là pépée, à, à pas cher quoi hein. oui. À dire, oui non on bah, est on à rien, 300 un peu moins de 300 290, là ouais, ouais 400 400 ouais on est on est à cher Attends, quoi et quand tu investis si tu mets 2000 balles dans une config t'es pas t'es pas t'es pas, pas à 280 euros près hein. ouais alors j'entends derrière moi qui, <laughs> qui met 2000 euros dans une config bah, euh, euh, toi le caméraman <rire> <rire> toi voilà t'as même mis plus je ouais, rappelle ouais, toi voilà thomas voilà on balance on s'en fout <laughs> voilà. Voilà, bon, c'est à peu près tout pour moi. Donc c'était les mais nouveautés bien, de gaming du CES. Voilà. Bah, Il n'est pas dit que je vienne pas avec d'autres nouveautés gaming du CES dans les jours qui viennent, mais en tout cas c'était les premières. Voilà. Tu es le bienvenu. Ça nous fait toujours plaisir de t'avoir dans le 01 Live, Mike Merci, gentil. David. Eh oui, c'est moi. Euh, moi, c'est moi, beaucoup moins, enfin, un peu moins cher ce que j'ai à proposer. Euh, <laughs> enfin, en tout cas, pour un aspirateur robot, parce que c'est vrai que. Euh, c'est ça, qu on ça soit... qui dans, dans Zéro Live. Oui. On parle d'internet par satellite, on parle eh oui. de mobile, on parle d'accessoires de, de jeux et d'aspirateurs. Euh, ben oui. Robot. Et il est là, l'aspirateur Le Xiaomi qui, euh, alors, c'est Xiaomi Mi Robot. Alors. On va le retrouver sous certaines références, Xiaomi Mi, Xiaomi Mi Robot, Mi Robot Vacuum. L'essentiel ce qu'il y a à retenir, c'est que c'est un aspirateur robot, pas Mi Robot Lente. Et non. Et oui, 2018 ah ouais. commence fort. Ouais. Ouais. <laughs> Donc, euh, c'est vrai qu'il fait pas mal parler de lui, cet aspirateur robot sur Internet, parce qu'il est proposé à en moyenne 250 euros. On va le trouver parfois en promo à 220, 230. Et, et, bon hein, et c'est un très bon prix dans la mesure où en plus, euh, eh ben, il est... C'est-à-dire que ce qu'on a sur le dessus, la petite euh, sphère orange qu'on voit avec le, oui. le, le système orange à l'intérieur, eh c'est le antenne. fameux télémètre laser. On voit qu'à l'intérieur, il y a un système de balayage. Hein, ah oui, vulgairement, tourne. on pourrait comparer ça un peu à un, un lidar de voiture, c'est-à-dire le truc qui balaye la pièce. Ouais, et et radar, ça ouais. fait vraiment quelque chose, Exactement, ça, fait vraiment du, du, ça lui offre une excellente ah là, précision. La, est, dire, et merde, justement, non, non parce que voilà donc ça, très rapidement, et on revient, je reviens sur ton, sur ton point, c'est que là, on a sous les yeux la cartographie que réalise l'aspirateur en temps réel quand il se déplace. Vous voyez un petit point jaune, c'était l'aspirateur C'était l'aspirateur qui se déplace et on le voit. Alors là, je le pilote parce qu'en plus, il est wifi, donc il a une application sur son mobile et donc on peut prendre la main si jamais il a oublié une zone et lui dire, bah, vas voyez, hop, manuellement ou alors donc, on vient de prendre le petit déjeuner sur la table basse, on, on a juste cette, ce petit coin de zone à nettoyer. Émeric est voilà. sur son, son canapé en train de fraguer comme malade, Il, il prend son smartphone, avec sa main droite parce que là, il a la main gauche qui est voilà. prise il peut diriger l'aspirateur robot exactement voilà et lui demander d'aller nettoyer parce que tu pas as passé quand même malgré tout l'aspirateur voilà, voilà. en jouant. en jour. Donc, donc très très bon produit vraiment parce que connexion Wi-Fi, parce que télémètre laser vraiment qui lui offre une super euh, précision, une belle puissance d'aspiration. Alors du coup il fait, il, fait du, il fait du bruit quand il est euh, en mode max parce qu'il a un mode turbo balance quiet euh, et en mode max c'est vrai que bah, c'est un, un très 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 beau résultat. Vraiment j'ai vraiment surpris, agréablement surpris. J'en ai testé quand même, paquet, testé hein, quand même pas mal et le ce dont tu me parlais à l'instant sur euh, le fameux pied en fait qui est le pied du canapé sur lequel certains montent se retrouvent perchés et puis il bah, il se passe plus rien c'est à dire qu'au bout d'un moment ils s'en ouais. sortent pas et là on l'a vu et il puis, était un puis peu et donc comme ça en ouais, hauteur, et, et ben bah, finalement il va Manœuvrer, et il va passer. Donc ça, c'est plutôt ah, il pas va mal. Passer. Exactement. Il, va pas il passe. Non, il passe, il franchit le truc, et c'est vraiment, bah, c'est un très bon point, parce Donc que il arrive à Il est vraiment, c'est vra ouais, vraiment un super robot. Alors, je sais Alors pas voilà, si on, on peut avoir, image, là. voilà, paf, il là, là. Il, en fait, il passe. Alors, là, en l'occurrence, sur ce plan-là, on va, il faut attendre, parce qu'au bout d'un moment, ouais, il commence voilà. à manœuvrer, ouais, ouais, ouais. et il franchit le Mais il arrive il à s'en sortir tout seul. Alors, forcément, ça a un petit impact, c'est que, comme il est blanc en dessous, je ne sais pas si on va réussir à bien le voir, mais bon, il y a quelques petites rayures qui apparaissent, etc. Bon, oh, bah voilà, c'est euh, le, euh, le seul, seul, le seul point. Cheminé, hein. Non, ça reste un aspirateur robot qui va, qui va mais... tourner et à, à ce prix là ouais, c'est faut pas, pas hésiter en mieux, fait non faut pas hésiter clairement c'est sans il doute met que... les autres au tapis oui ouais, il a il a des performances fait <laughs> il a des, des performances allées euh, équivalentes à des modèles à 450 500 euros vraiment c'est vraiment quelque chose de, de c'est un peu leur spécificité hein. Ils ah oui, ont des mobiles ouais, qui exactement. sont de très bonne qualité à des ah, prix de compte. tout de fait. la trottinette là la 365 redoutable aussi voilà excellent rapport qualité prix non, c'est voilà, c'est ça va devenir une, euh, une marque de fabrique. Alors c'est vrai que quand on veut commander ces produits, eh bien, il faut souvent passer par des sites comme Gearbest en l'occurrence, c'est Gearbest qui me l'a envoyé en test mmh. ou d'autres euh, sites qui font euh, de, qui vendent ce, y ce y type y de produits. Est-ce qu'on peut avoir confiance eh ben, en commandant sur Gearbest eh ben, alors on va reparler et de Thomas qui visiblement a vraiment... <laughs> voilà, il s'est acheté un ordinateur à 2000 euros et là maintenant on va se parler d'aspirateur robot. Mais Thomas s'est commandé la trottinette et l'aspirateur robot. Grâce à Thomas roule en Ferrari ça. maintenant, <laughs> en fait. Non mais c'est vrai qu'il y a la contrainte du, du, du délai, c'est-à-dire qu'il faut souvent plus d'un mois pour recevoir son produit. Maintenant, bon, pas, Je crois que pour lui, ça a été un mois et demi, deux mois même. Euh, donc, mais il y a eu cafouillage dans les adresses. Bon, enfin, ça a été un peu. Voilà, c'est les aléas de. Effectivement, c'est. vrai que ce n'est pas comme quand on commande sur Amazon ou la Fnap, quoi, par ah, exemple. Il y a cette qui nous voilà. dit sur YouTube. Cet aspirateur existe aux USA depuis 2009. Alors, non, parce que ça vient de sortir. Depuis le 2009, il est, effectivement. Oui. Il existe des aspirateurs robots. Oui. Mais il y a eu énormément Alors, de progrès fait depuis. Exactement. Euh, d'ailleurs, ils, hein. ils annoncent. Un, ils ont commencé à présenter un nouveau modèle qui est le Mirobot 2, qui aurait. Une, une lingette en dessous pour en plus faire euh, du lavage euh, donc euh, donc voilà, ouais, ah donc oui. ça on a appareil on a déjà et il, et il aspire et il lave voilà donc ça c'est des j'ai voilà. deux appareils distincts je me souviens ouais. avoir testé des, des appareils avec David, David comme, testé, ça. Ah, comme avec ça avec David avant ouais, on était un ah peu ouais. partenaire de ouais. robot hein. on a, on, on, a on a quand même pas mal euh, sali les les non non mais c'est la cafette la cafette ici je me souviens qu'on avait de la semoule mais comme des comme des malades pour oui parce que c'est très très dur etc et je me souviens que effectivement il y avait aussi une, une fonction euh, serpillère automatique alors moi j'avais une question ça sert à serpillère quoi ça sert à quoi les deux phares qui sont devant c'est des senseurs c'est des capteurs de proximité euh, tu, tu sais voir. ce qui manque sur ce truc là c'est une petite caméra pour pouvoir surveiller sa maison. Et euh... bien, je crois LG et Samsung le font. Ouais, je voilà. crois qu'ils ont un truc pour mais surveiller euh, l'un ou l'autre. Thomas a euh... montré son appli et c'est vrai qu'on ah voit vraiment. Que oui, oui, on, a, on a l'impression de voir super. le plan de sa maison. De son appart. Parce ah oui, ça. Que grâce, ça. À, grâce à ses détecteurs, il arrive ouais. vraiment à délimiter toutes les pièces, etc. Mais il manque la petite vidéo en temps réel pour voir comment ça se passe à la maison. Exactement. Tu vois ton chat, ton chien, le cambrioleur qui passe. Soit avec un périscope. Hop. Non, c'est, voilà. Donc vraiment, un parmi les aspirateurs robots, c'est dans mon top 3, parce qu'il y a d'autres modèles qui arrivent, dont un que j'ai en cours de test actuellement, qui va être vraiment bien. si tu as un tapis, parce que moi j'ai un tapis un peu épais, tu sais, avec du long poil. ça se passe... Plutôt marche, bien, ouais. Ça se passe plutôt bien. C'est vrai moi, que essayer, la caractéristique hein, du tapis, il a hein. Ouais. Et le souci, c'est que ça use un peu prématurément les brosses latérales là, ouais. parce qu'effectivement, elle mouline, elle mouline, elle mouline, ça les déforme, ça les, les abîme un, 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 un petit peu. peu donc, de donc de mais là, celui-ci, c'est vraiment. Alors, ça passe en euh, mode max, et puis, puis, faut s'armer de patience parce que ça tourne. Mais le dernier bon point, c'est qu'il a une excellente autonomie, plus de deux heures. De toute façon, le test complet bientôt sur net avec la vidéo. Et en Plus, voilà. Il va se recharger tout seul. C'est ça qui est cool. Tous ce type d'appareils. Merci David. Merci à vous. David Nega, de la rédaction de zéro net.com pour terminer ce 01 Live Hebdo. On a été ravi d'être avec vous, de passer ces 40 minutes en direct euh, sur zéro net tv.com et sur YouTube. On se retrouve jeudi prochain, mais d'ici là, notez bien sur vos petites tablettes. Rendez-vous lundi et mardi prochain, 13h14h. Je le répète parce que c'est un horaire inhabituel pour nous à net TV, mais c'est vrai que ce sera entre midi et 2 qu'on vous proposera. Une heure de live depuis le stand d'orange pour découvrir les nouveautés de ce MWC. Tu feras partie du voyage aussi, oui, hein, David. Hein, je serai aussi toi avec ouais. Sur le plateau. Rendez-vous donc dès lundi, dès 13h. Et d'ici là, portez-vous bien. Belle soirée à vous toutes et à vous tous. Et à très vite.